Bon. Ok Peugeot, emmène-moi à l'entraînement. Je n'ai pas compris votre demande. Ok Peugeot, emmène-moi au sport. Ah, va te faire foutre, t'as qu'à y aller à pied. Bon. A few moments later. Oh, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Avant que la vidéo ne commence, je vous invite à mettre un petit like, un commentaire et à partager, c'est important. Là j'ai cassé un truc. Ok. Elle est encore debout, c'est... Ah putain, c'est là. Ah ouais, je le sens, ouais. Ah, c'est cassé là. Le rond-point à 200 km/h, c'est une idée que j'ai en tête, mais ça sera pas pour tout de suite. Vous avez dû voir passer cette vidéo. Le joueur a eu un très grave accident de la route de jeu qui sera coulant, selon les médias, comme à plus de 200 km/h. Aujourd'hui, on va voir les réactions qui, je pense, vont être incroyables. Alors, allons-nous trouver des pépites? C'est parti! On a Fred Ploy qui nous dit, en fait son GPS lui disait à 200 mètres au rond-point, continuez tout droit. Et lui il a compris, à 200 km/h au rond-point, tout droit. Pas mal. On a Maximus qui nous dit, c'est un joueur de foot ou un joueur Rocket League? J'ai comme un doute, il était pas très loin de faire un reset wall. On a Patalo qui nous dit, comment il a dû halluciner quand il était dans les airs avec sa voiture en se dirigeant vers le gymnase. On a Roberto qui nous dit « Magnifique, même dans Fast and Furious, on n'a pas ça. Dommage qu'il n'y avait personne pour filmer dans le gymnase pendant le crash. » On a Joe qui nous dit « En tant que footballeur, on pourra dire qu'il a marqué la plus belle lucarne de sa carrière. » Le Schtroumpf Grognon qui nous dit « Elle va marcher beaucoup moins bien, forcément. » On a Vladila qui nous dit « C'était pas un rond-point, mais un sens giratoire !» Ça, c'est d'auto-école. Didou dingue. I believe I can fly. I believe I can touch the sky. On a Jordan qui nous dit il a pensé débloquer un trophée sur GTA. Davy Bloué, c'était pas une voiture mais le tapis volant qu'Aladin lui a prêté. Sinon d'un point de vue footballistique, c'est très joli. Pleine lucarne la bagnole. Karim Krimou, la légende raconte qu'il écoutait en apesanteur de Calogero. C'est pas compliqué, 300 chevaux sous le capot, mais c'est un âne qui conduit. Très bonne vanne. Balsamo 87, c'est sûrement la première fois qu'un joueur de foot s'est roulé à terre avec une vraie blessure. Axton 78, il était trop pressé de s'entraîner, faut le comprendre, il a vu un gymnase, il a accéléré direct. Il était en retard à la salle de sport. Bon, c'est vrai, une voiture, ça peut voler, mais avec modération, s'il vous plaît, ne faites pas ça chez vous, c'est important. Quoique, c'est une bonne idée que je devrais quand même entreprendre dans un futur assez proche, ça pourrait être pas mal. Sur ce, j'espère que ça vous aura plu, c'est une vidéo assez courte. N'oubliez pas le petit like, un petit commentaire, et de partager une vidéo que vous avez appréciée sur la chaîne. J'espère que ça vous a fait plaisir, en tout cas moi ça m'a fait plaisir. Bonne vidéo à tous, on se retrouve très vite, c'était Malcolm. Ne faites pas voler n'importe quoi, s'il vous plaît. A few moments later. Décollage ! Oh, tu m'as mis une droite ! One eternity later.